niveau de la rémunération, c'est vrai que être cariste catégorie 5, gérage, stockage en grande hauteur, ça paye plus. Ça paye plus, voilà. Il faut être beaucoup plus, plus professionnel à ce niveau-là. Parce que imaginez-vous une palette qui coûte des milliers d'euros, vous la gérez à 10 mètres, à 12 mètres, à 6 mètres. Quand vous la faites tomber, ben voilà, ça coûte cher. Donc effectivement, là, on va vous payer plus quand vous êtes des caristes catégorie 5. Alors, avec la nouvelle recommandation R489, c'est vrai que la catégorie 1 se divise en deux catégories. On aura la catégorie 1A et la catégorie 1B. La catégorie 1B, bon, je vous explique un peu, vous connaissez aujourd'hui les transpalettes à conducteur porté, donc c'est ce qu'on appelle les transpalettes autoportées, c'est ça la catégorie 1A en R489. Et la 1B va être maintenant les gerbeurs, bien sûr à conducteur porté toujours. D'accord, donc on aura les gerbeurs à conducteur porté. Donc du coup, vous aurez ces deux catégories-là. Alors, est-ce que vous allez être mieux payé quand vous avez la 1A par rapport à la 1B? Tout de suite, on saurait le dire parce que la 1B n'est commercialisable, n'est obligatoire qu'à partir de janvier 2020. Donc à aujourd'hui, on ne parle pas encore de la 1B. On est encore en 1A. Donc du coup, en 1B, en fonction maintenant des demandes des entreprises, on verra qu'est-ce que les entreprises proposent. Mais si je m'avance tout de suite, je vais peut-être vous donner de mauvais chiffres qui ne vont pas pouvoir vous rassurer. Mais je crois quand même qu'avec les exigences que demande la 1B, je crois que normalement au niveau des entreprises, on devrait être mieux rémunéré. Alors, si vous avez la 1B, en réalité, ça dépend des exercices que vous avez fait pendant votre test. D'accord? Si vous avez la 1B, c'est bien possible que vous ayez l'équivalence 1A. C'est mieux de faire les deux.